Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Édition Chita de Nouvelle ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info. Quelques à côté branchés, nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un plaisir pour nous, amis téléspectateurs, amis internautes, nous présenter aux Édition Nouvelle par la 28 juillet 1915, 28 juillet 2021. Ça fait 106 l'année depuis bot ferré blanc américain de pile sol pays d'Haïti a foulé pour la première fois occupé pays d'Haïti. Donc pendant 19 l'année, donc 106 l'année après, toutes conditions réunies pour Haïti, t'apprends encore un coup de botte ferré d'après en pile et historien. Enquête sous, eh bien, assassinat qui était fait sous président Jovenel Moïse, faut qu'on dise où, eh bien, première dame, non, ancienne première dame, non, madame Martine Moïse. Les partis qui étaient pays d'Haïti, Jounen Madia à bord d'un avion privé côté li aller en direction pays États-Unis. Donc d'après toute information, c'est un poursuivi médical. Entre temps, en pile secteur dans pays a été souhaité ouais la justice t'étendait première dame nan avec ben petite Lio puisque yo c'est des témoins privilégiés assassinat Monsieur Jovenel Moïse, 7 juillet passé. Dimitri Erard, qui est ancien commandant USGPN avec plusieurs autres policiers, eh bien, qui en isolement, donc pas répondre une autre fois encore, je ne m'ai dit, eh bien, invitation commissaire AI, gouvernement AI Port-au-Prince, M. Bedford Claude, qui était voyé Réléo, donc il n'y a pas présenté ni tout, eh bien, il n'y a pas de voyer avocat yo pour dire, mais pour qui raison il n'y a pas présenté. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents, rejoignons pour nous présenter Édition Nouvelle ça, nous préparer pour vous. Jean nous annoncé au lit ancien première dame, nan, madame Martine Moïse, avec toute petite Lio, donc voyager, journée Madia. Direction pays États-Unis à bord d'un avion privé, donc côté li aller dans pays États-Unis. Donc gagné en pile information qui fait quoi, mais c'est à poursuivi médical première dame dans lui-même li ta voyager. Donc faut nous dire première dame dans li voyager dans moment et eh bien en pile monde dans population te souhaité. Ouais, la justice dans pays d'Haïti te rivé et à travers des CPJ avec l'autre instance dans la justice là, donc t'es doué tendez première dame nan avec petite Lio qui c'est au même c'est des témoins privilégiés qui t'es assisté qui t'es présent dans le moment et eh bien action ça t'a passé dans la nuit et 6 pour le 7 juillet passé à côté un commando armé t'es rentré et eh bien la caille président dans pèlerin 5 yo t'es assassiné donc comme témoin privilégié. En plus, le monde te souhaite, ouais, eh bien, la justice tendait, première dame, non. Donc, puisque c'est yon monde qui est capable de bailler en pile information, mais sur ça qui est arrivé dans la date 7 juillet passé, à côté, yon commando armé assassiné président Jovenel Moïse Lakali, et première dame, lui-même, il recevoir au moins, d'après ça, nous allons comprendre, yon balle nan ponyet li, puisque et yon point li aimait toujours gagner la dans li yon échappe côté point là li même li poko fin bon. Ancien commandant USGPN Dimitri Erard avec plusieurs autres policiers qui étaient en garde à vue déjà donc pour enquête sous question assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là puisqu'il était gain responsabilité comme garde présidentiel. Et bien, monsieur Sario même, yo pas paraître encore répondre invitation commissaire gouvernement à Port-au-Prince, M. Bedford Claude, yon l'autre fois encore. Donc, yo pas de voyer non plus, ni avocat pour dire pour qui raison yo pas présenté devant, eh bien, paquet Port-au-Prince. L'autre information, 28 juillet 1915, 28 juillet 2021, ça fait 106 l'année depuis botte ferré américain te pile sol pays d'Haïti a occupé pour la première fois pendant 19 l'année donc 106 l'année après qui côté noyé eh bien en rien pas clair donc situation pas bon du tout dans pays d'Haïti donc toutes conditions réunies pour pays d'Haïti t'apprend j'en dis un quatrième coup de botte ferré encore donc parce que pays a
Donc, nan yon confusion totale. Donc, pour marquer date ça, ben plusieurs organisations nan opposition ont fait yon rassemblement nan Delma 32 avec des objectifs principaux. Donc, premier objectif là, c'était pour faire haïtien eux-mêmes yo songer date et macabre ça, date madichon ça qui t'est porté, donc qui pas porté en rien pour pays d'Haïti. Donc, deuxième objectif là, c'était pour être capable de faire une cérémonie hommage non mémoire et ben tout le monde et ben régime PHTK touillé non divers massacres qui fait dans pays d'Haïti sous pouvoir Jovenel Moïse là. Donc parmi massacre ça ou un massacre Delma 32 qui fait dans la nuit disons 29 pour l'ouvrir 30 juin passé à. Donc côté gagné 19 moun qui mourit, parmi yo gagné journaliste Diego Charles avec militante Marie Antoinette Duclair, militante politique Marie Antoinette Duclair, porte-parole secteur démocratique là Maître André Michel a apporté plus précision sous activité ça qui était faite dans Delma 32 journée disons 29 juillet. Plusieurs dizaines de citoyens qui ont même participé dans l'activité si là, t'as déposé yon jep flè devant Kay Diego Charles avec Marie-Antoinette Duclair nan Krissoa côté yote exécuté yo, côté bandit exécuté yo. Donc c'était occasion tout pour yote lancer en pile parole Pimambouk contre équipe PHTK donc qui passait 10 l'année sous pouvoir sans li pas réglé en rien dans pays d'après yo. Donc yote tout li men baleine et puis organisé une cérémonie vaudou donc pour demander justice pour Marie-Antoinette Duclair avec Diego Charles. Donc nous invitons côté yon après l'autre Réginal Dumé, Jean Timanis avec Fernando Duclair. Jodi a présence nous-mêmes, des paysans, militants, Feto Challenger, parti politique, organisation de base, nous présents, nous là, dans le cadre du hommage, pour nous célébrer la vie, nous savons qui tombe, mes servis ont apprêté, rêves ont apprêté, nous là pour nous un signal tout, ben le monde entier, avec moun, jodi a qui comprenne, yon capable de troubler le monde qui voulait faire Jovenel Moïse passer comme un innocent. Fondi yo, jodi a, Jovenel Moïse, nous tous nous sommes fait depuis notre 32, rivez là devant Kainetti, devant Kain Diego, son façon pour nous montrer avec le monde que ces derniers côtés, le quartier populaire que Jovenel Moïse et l'autre nous ont fait un massacre. Nous là, pour nous
dit avec le monde, ça Jovenel qui était comme Zeuf, c'est massacre dans le quartier populaire. C'est corruption dans boîte l'État, c'est tirer sous papa ici, c'est fédérer les gangs, c'est le pays d'Haïti vine vivable. Dans ce sens, nous voulons un signal by tout le monde, by tout le monde, pour nous dire que le monde qui a essayé de comparer Jovenel Moïse avec l'empereur, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, pour ne pas jamais faire bagaille comme ça encore. Pour connaître Zeuf Jovenel Moïse, son criminel littéraire, c'était un dilapidateur, c'était un bluffeur, c'était un monde qui t'a massacré. Toute organisation de base, force d'Elma, secteur démocratique, tout l'autre nous conscient, qui sont groupés au challenger, tout l'autre monde qui a bataille pour la vie meilleure, nous avons commencé une bataille, mais nous avons intimidé nous avec un pile massacre. Nous changeons le monde la saline, Teddy Jovenel, Pape Kadeson, la saline dans le pont rouge, 17 octobre 2017. Mais Jovenel devait faire massacre sur le monde la saline. Depuis les soldats, tout pouvoir, tout gouvernement mettait tout ensemble pour faire massacre sur le peuple haïtien. C'est dans le même cas. Kébi Jeffra, et Mounel Matrende, Neti Diego, yo mouri. C'est après Mounsayo, Jovenel lui-même, acolyte PHTK, yo tué. Mais qui ça n'a pas dit? N'a pas dit peuple là, discours nous te gagné. Là nous t'a mette moun la saline de yo. Discours nous te gagné. Là nous t'a mette moun belé de yo. Nous t'a dit yo, faut que bon transition dans le pays. Faut que yo, bon transition pour me fâcher. Nous t'a dit yo, système nan bout, faut que système nous a cassé. Est-ce que je dis à nous gal entrer dans le gouvernement? Tête en bas, sous l'amour Diego, sous l'amour Mounla Saline. Nous dit non, c'est ça que fait. Nous ne reconnaissons pas aucun ministre qui l'a. Nous ne reconnaissons pas aucun gouvernement qui l'a. Parce que faut que la bataille continue pour procès Petro-Caribé à fait, procès des malogues fait, pour nous la saline, Diego, tout journaliste, le fils de justice. Mais ça, nous-mêmes, nous avons dit transition ça, sur transition de rupture, et ça, dialogue national. Secteur démocratique, là, organisation de base, je dis là, c'est 28 juillet. Pas oublier 28 juillet 1915, nous avons occupation américaine. Ça fait 106 ans. Et je dis là, nous comprenons, mais question massacre qui a fait des quartiers populaires, nous n'avons pas quelqu'un qui mourit. Le régime PHTK a fait 13 massacres. Et dernier date là, c'est Delma 32. C'est peut-être ça nous-mêmes, nous voulons rendre hommage avec tout le monde qui est tombé dans le massacre ça. De coup, Néti Duclair, Zégo Charles, de vous Kébi Jeffra, et tout anonyme. C'est peut-être ça nous dit, bataille là continue, bataille là continue, nous ne pas camper. Concernant la crise politique pays d'Haïti, le Congrès américain a adopté une résolution en 17 points. Côté limandé, président américain Joe Biden ne veut pas supporter aucune élection dans le pays d'Haïti avec le conseil électoral provisoire KEP, donc tête chargée illégale ça qui l'a, tant que conditions eux-mêmes n'ont pas réuni pour mettre un autre conseil électoral provisoire. Donc pour un consensus avec tout secteur dans le pays, donc pour capable organiser élection libre, honnête et démocratique. Donc résolution Congrès a mandé tout pour gouvernement américain quitter peuple haïtien, quitter haïtien eux-mêmes formé un gouvernement pour gérer pays pour compte yo sans États-Unis lui-même li pas impliqué, li pas fourré bouche li dans question si là. L'autre information ensemble contre la corruption, ECC dénoncé la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Mais peut-être l'IPAT rivé tendé dossier ECCA sous illégalité constitutionnelle, conseil électoral provisoire qui l'a à cause DGI, donc t'es réquisé, donc composition juge qui t'est doué tendé affaires, donc juge Wendell Koch Teloa. Donc ECC ensemble contre la corruption dit li pas possible pour l'État haïtien à bataille avec l'État. Les DGI, Direction générale impôts qui représentait l'État haïtien requisé composition juge la Cour des comptes là. Donc ECC quoi, c'est une façon pour l'État faire peuple là valer conseil électoral provisoire illégal ça qu'il a. Mais au fait qu'on est, yo pralé jouk nan bout mais pour joindre annulation conseil électoral illégal ça qui là nous invite au côté yon après l'autre mettre Gédéon Jean avec Macintosh Armand. L'État haïtien décide la proposer à la Cour alors que nous connaissons l'État est indivisible. Donc c'est même l'État ça qui décide que juste ça yo. Cette Cour qui c'est l'État encore, il décide que à travers la DGI. Bien évidemment que ils ont une unité capitale avec eux, donc je ne suis pas crédible, je ne suis pas honnête, je ne suis pas monde qui respecte tête. Ça sont rien. Mais deuxième problème, de manière plus précise, plus spécifique, que nous-mêmes nous gagnons dans ECC, c'est que c'est vrai que l'État ici à travers la DGI, il récusait composition ça
pour ces deux dossiers précités, à savoir le recours exercé contre et recours exercé contre arrêté qui mettait sous table et côté que ancien président Jovenel Moïse est décidé de mettre à la retraite les juges Wendell Koch et Vickel d'Abrisil. Donc si l'État essaie de décider le fond recours, il récuse composition pour dossier ça, nous comprenons ni même ni très, nous comprenons ni nous pas fin comprendre pour qui ça composition décidé ni pas tant des dossiers UCCA. Donc là nous pensons que nous faisons appel à la cour puisque c'était une composition, ce n'était pas la cour dans toute sa composante, ok, de toute sa globalité. Là nous pensons que la cour, président Koua, supposé prendre acte pour agir en conséquence. Nous pensons tout. C'est une possibilité de bail pour que il y ait plus gaspillage qui fait en administration publique. Parce que pour année ça seulement, si m'ba abuse moins, il y a environ 6 récusations qui fait de tribunal dans niveau ça. Donc on pense que c'est une situation qui est extrêmement alarmante et ECC, donc ça c'est clair, nous pas prêter pour croiser, n'a continuer jusqu'au bout parce que population est claire. Il besoin de justice et il faut qu'il joue justice. Il faut que justice triomphe. À chaque fois, il y a une situation comme ça et on sentit c'est dilatoire qu'a fait. C'est de manière à ce que pour arriver et sans pas vouloir accepter, pour une fois soit accepté. CEP a son CEP qui est illégitime, qui est illégal, qui est inconstitutionnel, qui est décrié. Donc le fait que le décrié, nous-mêmes, nous dit que faut que la justice triomphe, faut que la cour, là, tant qu'on met Dieu, on se dit. Prend décision rapide, sans perdre du temps, pour que vous regardez comment il y a redressé la situation. Parce que la situation est critique. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campé à l'édition information ça. Nous remercions pour écoute ou attention. C'est des amis Fouet Omet Info qui t'observent. Nous cassons rendez-vous demain, même le à même chaîne, si papa bon Dieu content. À bientôt.